Ce paysage, c'est l'écrin naturel exceptionnel qui abrite le seul hôtel 5 étoiles de l'île. La Samana domine la mer des Caraïbes, une invitation à la paresse. L'hôtel a été créé dans les années 70 par un riche américain de New York et dès son ouverture, défilent Andy Warhol, Richard Nixon ou encore Calvin Klein. À l'époque, Roland Richardson était un tout jeune peintre. Bonjour monsieur. Depuis plus de 50 ans, l'artiste est ici en résidence. Il a fréquenté toute cette élite. C'était des gens connus. Alors ils cherchaient un endroit où ils pourraient être en paix, vivre normalement, sans se sentir comme une célébrité. Ça peut être étouffant. Ici, ils étaient tranquilles. Et ils se sont fait amis avec des gens comme moi, ma famille et plein d'autres. Ce natif de Saint-Martin est aujourd'hui considéré comme le père de l'impressionnisme dans les Caraïbes. Super, j'adore. Vous prenez une photo avec une célébrité? Oui. Vous me signez mon épaule? Mais c'est vous les stars. C'est un tel honneur de vous rencontrer. Ces tableaux se trouvent aux quatre coins du monde, chez les Kennedy, la reine de Hollande ou même au palais de l'Élysée. C'est tellement fort, tellement beau. Vraiment, je suis impressionnée. Le peintre entretient la légende de la Samana.